pour Sergio justement. Ça combine bien avec Taoflieb et là on trouve les espaces. Et c'est un pénalty qui est accordé. Thomas Robinet et le contre-pied est parfait. Stupeur ici à René Fenouillère dans ce choc de la 15e journée du National. Ce sont les visiteurs qui ouvrent le score 1-0. Ce coup franc, la patte gauche de l'Aubry, ce ballon qui est dans la surface, la parade magnifique. La pluie qui tombe ici sur ce stade René Fenouillère. Il y avait hors-jeu me semble-t-il. Il n'est pas signalé en tout cas, il y avait une énorme occasion. Le Cristolien qui va centrer, Mokdad qui va essayer de récupérer ce ballon qui s'est écroulé et que signale l'arbitre, penalty face à Arnaud Balijon et c'est parfait, ouverture du score pour Abdelmalek, Mokdad sur penalty, 36e minute de jeu, l'USCL passe devant. Ça me paraît très étonnant. Ah, ça sera pour Julien Andiani, quoi qu'il arrive, avec le pied droit, ça a été retouché, boxé des 2 points, et bien par Véron. Cette fois-ci un Ajaxien, alors formé du côté de la CA, ça va pas forcément plaire au gazier, mais c'est bien sûr Hugo N. Attention Pereira, la balle elle est parfaite pour Bale, qui a pris le temps, qui a ajusté, et ça fait désormais 2 buts à 0 pour l'US Créteil Lusitanos. Ouais, on l'a dit, et depuis le début de la seconde période, je le disais, il y a même pas 3 minutes, cette équipe de Créteil, elle a repris des couleurs en deuxième période. Et le centre est parfait au sol sur balle, qui laisse aucune chance à Balijon. On n'est pas verni, hein, niveau infirmerie côté gazier, c'est en effet le cas. Oh, attention avec ce ballon, on l'a fini, Doric qui avait posé le pied dessus. Oui, penalty, penalty pour le Gazélec Ajaccio, et ça pourrait tout relancer. Anziani face à Stéphane Véron, c'est peut-être le tournant du match. Julien Anziani, oh et l'arrêt de Stéphane Véron, incroyable arrêt du gardien de l'USCL, porté en triomphe bien sûr. Vigilant sur les appels de Rubic dans notre dos, ça fait 2-3 fois là. Attention à la tête de Robert, elle est sur la barre transversale cette situation, et elle est dégagée dans un second temps par Florian Lejoncourt. Engagé là de la part de Xavier Thomas. Et Rubic à nouveau sur le côté droit. Et une bonne tête peut-être à l'arrivée. Le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score, elle est signée Gendré dans cette partie. On va proposer la part de Toupin, le centre de Benali à l'arrivée. Il y a du monde dans la surface, c'était Da Cruz. Il était parti un petit peu à la sauve qui peut. Gueye et Nam qui sont... devant le cuir, Mamadou Gueye, le meilleur buteur, qui s'élance, qui frappe, qui enroule et c'est au fond. L'ouverture du score dès la 4e minute de jeu sur ce coup franc parfaitement enroulé. Odzumo qui a de l'espace, Odzumo qui peut décaler Bilinghi en position de centre. Le centre instantané de Bilinghi pour Odzumo. Oh, quelle égalisation! Quelle égalisation du FC Bastia Borgo au meilleur moment, juste avant la mi-temps. Avec Kamisoko, avec Mamadou Gueye et Bayard qui feinte sa course, Bayard qui peut centrer, et le second but de cette équipe paloise inscrit me semble-t-il, alors il est loin et c'est Antoine Baptiste par ce corner. C'est frappé au second poteau, la tête de Doumbia, elle est dégagée sur la ligne, cette balle c'est pas terminé, le ballon qui reste. De trouver Ketke Fomfon, c'est bien joué avec peut-être la tentative de frappe. Oh, il y a un très bon ballon ici, on dribble le gardien et c'est l'ouverture du score. Avec Diallo dans la surface, ballon en retrait et le deuxième but Scholté. Après 32 minutes de jeu, encore une très belle combinaison. Des récupérations très hautes de la part des joueurs de QRM. Moussaguel qui va provoquer. Moussaguel la frappe, pourquoi pas la déviation, le but. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score d'Alexia Rojo. Super but Anderson. Super but d'Alexia Rojo. Ce magnifique centre de Moussaguel. Bon, là, leur salut sera sur les coups de pied arrêtés. Et attention, le corner, l'attaque Alfred et le but. Ouais. L'égalisation, je crois que c'est un CSC de la part de QRM. Elle est déviée par Takalfred et ce ballon mis dans ses propres buts par un joueur de QRM. Ça va pas être non plus du poste pour poste. Attention, Enzo Real justement qui touche un de ses premiers ballons pour Montiel à la surface. Il y a par jeu Testu qui se manque. La reprise et le deuxième but. Bilal Al Amzaoui qui vient crucifier les joueurs de QRM. Et il est au fond, le but de ça fait 2 buts à 1 pour Béziers. Différence, à un moment donné, il faut voilà, crocher à gauche, crocher à droite, on frappe. Ou attention, Stan Oliveira là qui a marché sur la tête de Montiel. Carton jaune pour les deux. Et il y a un rouge qui va sortir. Et c'est pour Arojo. Il avait déjà eu un jaune. L'expulsion du buteur. Aussi pour gagner les précieuses secondes. Attention, Ndao. Ndao est passé. Oh, le retour. Oh, le pénalty. Le pénalty sifflé par Monsieur Fabry. Attention, Atassi, parce que là, ça va être un carton jaune et ça va être un carton rouge pour Reda Atassi. Gaëtan Laura face à Vincent Viau. Et ça fait 2 buts partout. Et Diochon qui se lève comme un slalom. L'égalisation de QRM. 2 buts partout entre QRM et Béziers. Au milieu de terrain, c'est Fleury qui est servi sur le côté droit, qui va sans doute s'entrer dans la surface de réparation. La reprise de Chary. Oui, quel but magnifique! Oh, quel but magnifique avec ce centre de Fleury du côté droit. Magnifique. Cette reprise devant le de Chary. Sur le corner tiré par Dunkerque. Attention au premier poteau et but. Et oui, malheureusement, on le disait à l'instant. C'est vrai que c'est handicapant au niveau de la sortie du joueur. Peut-être une faute de corner au premier poteau. Ouais, attention, regardez. Oh, quel arrêt. Mais quel arrêt. Ballon, attention, ballon qui profite à l'entrée de la surface de réparation. À Bayot, Bayot, attention. Boudou pour ce deuxième but. Et là, malheureusement, l'erreur, on en parlait. C'est pas possible. Il y a un 3 contre 3 là à jouer avec Steve Chamal dans la surface de réparation. Un centre rapide et Paul-Arnaud Garita dans la surface, dans les 6 mètres. Et avec une frappe de Junior Senville qui a été découpée. C'est un penalty. Allez, c'est parti. Paul-Arnaud Garita qui s'élance et qui met ce ballon dans le petit filet et qui ouvre le score ici à Boulogne-sur-Mer. Boulogne qui mène 1-0 à la fin de ce premier quart d'heure. Pour Ibrahima Traoré. Ibrahima Traoré qui centre pour Paul-Arnaud Garita. La petite matchère. Et il y avait Steve Chamal au deuxième poteau.